Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça, Seigneur Marie, à l'heure douce du soir. Oui, comme ça, Seigneur Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Oui, viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Oui, verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Que le Seigneur soit glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 42. Psaume chapitre 42. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 42. Nous lisons la parole de notre Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Oh oui, encore, encore, une fois c'est. Oh oui, encore. Merci Seigneur Jésus. Oh moi j'ai soif, du Dieu vit. Oh, moi j'ai soif du Dieu. Oh oui, encore, une fois. Oh oui, encore, une fois. Oh, moi j'ai soif, j'ai soif du Dieu. Oh oui, j'ai soif. Mon béni, Père Saint-Dieu, de porter ce nom et merveilleux nom, Père Saint-Dieu, qui nous témoigne encore de ta bonté, Père Tout-Puissant-Dieu, à notre endroit, parce que, Arel, Père Tout-Puissant, nous sommes aussi protégés par toi, comme la Bible dit, Père Saint-Dieu, que le nom de l'Éternel est une forte, tout forte, les justes refuges sont en sécurité, Seigneur. Nous en sommes bénéficiaires, béni, Père Saint-Dieu. Merci encore pour cet amour que tu nous témoignes encore chaque jour, mon béni, Père Tout-Puissant, que nous dans ta maison à toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Ta présence ne fait jamais défaut, Seigneur. Tu es toujours là pour conduire encore, pour pouvoir nous soutenir encore davantage, mon roi, pour nous relever car nous sommes faibles, mon béni, Père Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, mon roi, tu es vraiment bon pour nous, Père. Merci encore pour les dons que tu as placés en ces lieux, Père Dieu. Merci de tout mon cœur, mon béni, Père Saint-Dieu, pour cette grâce que nous avons, Père. Bénis chaque frère et chaque sœur, mon béni, Père Tout-Puissant, Dieu. Bénis notre précieux frère Christian Soba. Soutiens, fortifie-le, Père Dieu. Tu
Tu vois son état de santé aussi, mon béni, mon Père, que tu le relèves, mon béni, mon Père, Dieu, tu le fortifies encore. Et davantage, mon Père Saint-Dieu, chaque frère et chaque sœur encore, Seigneur, qu'il soit vraiment béni aussi, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Seigneur, pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, pour ces enfants qui t'ont chanté en cet endroit. Oh oui, Père Saint-Dieu, c'est merveilleux de pouvoir te voir à l'œuvre encore dans cette maison, Père Dieu. Nous te remercions encore pour ce que tu fais. Continue encore davantage à pouvoir agir, Père Dieu, pour chaque office encore en ces lieux, pour chaque service, Seigneur Dieu, pour tes enfants qui sont encore davantage à toi, chaque frère à son projet de voir, Père Saint-Dieu, chaque sœur aussi également, qu'il soit aussi béni, Père. Merci d'avoir aussi protégé ton Père, mon Père. Je te remercie encore pour ce que tu as fait, car je t'ai ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse vraiment richement. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on peut se retrouver ensemble. Que Dieu te bénisse richement. Qu'il bénisse aussi notre frère Jonas, qui vous étiez aussi, resté aussi. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Les diables combattent, mais nous avons la victoire. Et c'est Dieu qui a toujours le dernier mot, qui soit donc béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de pouvoir encore voir le soleil qui s'est levé encore en ces jours et de nous retrouver encore ensemble, comme le psalmiste le dit toujours, qu'il est vraiment doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. J'ai beaucoup aimé les cantiques. Ses enfants ont chanté, il dit, mon Jésus, ah c'est merveilleux ça. Alors si cela pouvait être ainsi pour chacun de nous dans notre cœur, ce serait toujours merveilleux. Parce que nous désirons vraiment qu'il soit profondément en nous, peu nous importe, mais que lui soit toujours le premier, qui prenne effectivement sa place dans chacun de nous. Nous avons besoin de lui encore plus parce que nous voyons que les temps et les moments, c'est vrai, on pouvait parler et ceci, mais maintenant nous vivons ces choses. Et que les temps sont devenus encore beaucoup trop mauvais et difficiles aussi. C'est à cela aussi que nous pouvons croire et que nous croyons vraiment que la parole de Dieu est vraiment la vérité. Ce que Dieu connaît toujours, la fin de toutes choses avant son commencement. Et il est vraiment un bon conseiller. Et ses préceptes sont vraiment nos conseillers. Nous devons vraiment demeurer dans ce que lui nous a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité donc vous affranchira. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos prières que vous élevez devant son trône de grâce et vraiment Dieu agit. Et je remercie le Seigneur pour cela. Il fait toujours de merveilles d'une manière tout à fait extraordinaire par sa façon de pouvoir aussi agir. Mais nous remercions Dieu pour son amour et sa bonté. Et nous réalisons aussi effectivement que les temps vraiment courent vraiment à sa fin. Et comme les saintes écritures font part effectivement aussi, qui nous dit que par ta lumière, nous voyons la lumière aussi. Et il nous éclaire encore davantage. C'est une grâce extraordinaire et un privilège merveilleux que nous ne devons pas prendre effectivement à légère. Nous devons prendre cela à sa juste valeur, effectivement. Dire ce que Dieu fait pour nous est à notre vie. Et la grâce qu'il nous accorde, effectivement, de pouvoir vraiment nous aligner dans son programme. Pas dans notre programme, mais et lui qui nous place effectivement dans son programme afin que nous puissions avancer avec lui et avoir aussi cette certitude et cette assurance que oh, nous ne sommes pas à l'écart, mais nous sommes vraiment au-dedans. Et pour que nous puissions aussi bénéficier de cela, c'est quand nous voyons que la parole de Dieu avance effectivement dans le programme parce que les signes des temps sont là. Nous le regardons et puis nous voyons, nous disons, Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, combien tu étais, et c'est que c'est la vérité, frères et sœurs. Il a une précision dans les choses lorsqu'il les annonce devant moi d'avance, mais surtout quand il vous ouvre encore davantage les yeux, vous dit, mais Seigneur, il n'y a vraiment pas de mélange dans ta parole.
Non, mon frère et ma sœur. Et puis, pas de contradiction non plus dans les saintes écritures, mais d'une sagesse extraordinaire. Et puis, combien il est tellement si grand, extraordinaire, effectivement, dans la précision dans laquelle il fait, il a suscité des prophètes dans différents endroits. Hein. Vous savez, donc, je parle dans l'ancienne alliance. Donc, il y avait des différents coins, effectivement. Ces hommes-là ne s'entendaient pas, ne se communiquaient pas par WhatsApp. Mais chacun, quand il a prononcé, la parole était prononcée là où il était l'autre, c'était vraiment, que Dieu te bénisse, vraiment d'une perfection, mais toujours en ligne, avec le même programme. Combien Dieu contrôle toutes choses. Il a dit avec vérité à Jérémie que je veille sur ma parole. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide à ce que nous puissions, quand nous avons des moments où Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous rassembler, saisissons l'occasion, mais avec un cœur sincère, mais vraiment à prier pour que Dieu nous donne la droiture dans notre âme et que nous puissions saisir ce moment. Parce que il viendra un temps où nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir aussi, comme il le fait comprendre, de nous rassembler. Souvenez-vous, ces moments qui nous est arrivé lorsqu'il y a eu le problème de Covid, qui pouvait penser qu'on allait nous empêcher même de pouvoir nous rassembler. J'oubliais même pas arriver à avoir un moment de voir prier. Et cela est arrivé en cet moment. C'était toujours, en fait, vous voyez, des flashs qui doivent nous rappeler, effectivement, qu'un moment viendra. C'est pour ça que le Seigneur, quand il nous donne des occasions pour que nous puissions vraiment recevoir la parole, pour qu'elle soit vraiment à sa place, parce que c'est celle-là qui nous permettra, effectivement, aussi de se pouvoir vaincre dans toutes les difficultés au travers lesquelles. Négligez autre chose, votre travail, par exemple. Ce qui vous rapporte votre argent, là, vous pouvez le négliger, en fait. Et la parole de Dieu, les rassemblements pour toi, la réunion pour toi. Alors, mon frère et ma soeur, ça doit être la chose la plus importante à laquelle tu dis, Seigneur, si je suis sur cette terre, les gens qui sont à l'extérieur, qui nous entendraient, ils diraient que ce sont des fous. Négliger mon travail, c'est mon gagne-pain. Bien sûr que oui. Mais nous savons une chose que Dieu vous bénisse. Donc Dieu ne nous a pas dit que voilà, ne faites rien, ne travaillez pas. Nous savons ce que nous faisons, mais nous savons aussi qu'il nous a dit que regardez les oiseaux du ciel. Oui, il est merveilleux notre Dieu. Nous avons plus que ce que le monde peut arriver à pouvoir prétendre avoir de valeureux, de plus de valeur, effectivement, ainsi. Le monde peut tromper, donc Satan peut tromper, effectivement, ceux qui sont dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Est-ce que vous pensez que vous appartenez encore au monde? Mon frère, je ne sais pas si tu fais toujours partie du monde, en fait. Et si toi, tu ne fais pas partie du monde, tu dois être heureux. C'est pour ça que les saintes écritures nous disent toujours, nous montrent toujours la volonté de Dieu, en fait. C'est Élie qui s'était dit, il dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous de des côtés? Le monde ici à droite, et puis Dieu ici, effectivement, quelle position vous avez? Et ça, c'est aussi, c'est là qui s'est reproduit, en fait, dans la plupart de tous les âges. Le seul qui, dans lequel, effectivement, on trouve cette position, effectivement, c'est l'âge de l'Odyssée. L'âge dans lequel nous vivons. Et cet esprit, en fait, il est tellement puissant, dans cet âge où nous sommes, il influence tout le monde. Donc, personne ne peut me dire, donc, nous sommes dans l'âge où ces démons, effectivement, influencent vraiment. Alors vous voyez, papa, comment ils se sont réveillés, mais avec une véhémence terrible, effectivement. Oui, oui, ouvrez vos yeux, mon frère et ma soeur. Nous sommes, les choses avancent tellement si vite. Ah bah oui. Et que nous pensons que nous avons encore du temps. Non, c'est l'heure où nous devons nous réveiller pour nous accrocher aux choses les plus importantes. Le diable nous a trompés en nous donnant des fumigènes, effectivement, en nous faisant croire, oui, que rechercher beaucoup plus d'argent, c'est vraiment la chose importante parce que ton bien-être dépend de ce que tu dois. Oui, l'humain, nous sommes comme ça. Mais Dieu nous a ouvert les yeux. Oui, parce que nous ne sommes plus ces gens qui sont dans ce monde, qui se battent même, qui peuvent tuer quelqu'un pour ça. Non. Nous avons compris que nous nous tenons, effectivement. Oui, c'est vrai.
que notre Seigneur nous a permis de pouvoir nous tenir au-dessus de toutes choses. Et que la Bible nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Et notre cité n'est pas d'ici bas. Parce que si Abraham avait trouvé cette cité-là, il se serait arrêté là, il dit, mais moi, c'est terminé ici. Mais la Bible nous dit que lui, il cherchait une cité dont Dieu était l'architecte. Donc lui, il est l'architecte, donc, le concepteur. Non seulement le concepteur, mais il bâtit aussi. Donc il conçoit et il bâtit. Je m'en vais vous préparer une place. Cette cité-là dont Abraham cherchait, c'est dans laquelle, effectivement, que le Seigneur nous a fait la promesse. Il n'y a qu'une cité. Dans cette cité où l'agneau est. Vous rendez compte, hein? Donc, effectivement, que. Mais quelle grâce pour nous de pouvoir voir que le Seigneur nous a vraiment fait la promesse. Et comprenez bien, très bien, que lorsque le Seigneur nous a fait cette promesse, qu'il a jeté ses regards aussi d'amour et de joie, grâce aussi pour nous, alors, devenons aussi la cible. Dans le livre des Romains, nous allons lire avec vous, effectivement, aussi, Romains au chapitre 8. Disons, Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28, il dit, « Nous savons donc du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont donc appelés donc selon son dessein. Amen. » Tendre Père et précieux Sauveur, c'est avec reconnaissance que nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire combien nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble, Père. Et merci vraiment parce que c'est toi qui es l'auteur de la communion fraternelle. Oh, nous te remercions d'avoir pensé à nous, Père Saint-Dieu, parce que c'est vraiment la chose qui est aussi importante dans notre marche. Parce que tu nous as donné des frères. Tu nous as donné aussi des sœurs, mon bénémoine, Père Tubissant, avec lesquels, Père Tubissant, nous devons marcher sur cette terre, Père Tubissant, en ayant la même foi, bénémoine, Père Tubissant, Dieu, la même parole, mon bénémoine, Père Tubissant, Dieu, en ayant reçu aussi ton Esprit Saint pour nous maintenir dans cette unité davantage, mon roi. C'est comme l'huile répandue sur la main. Merci, parce que tu es vraiment bon pour nous encore ce soir, pour avoir permis que nous puissions nous retrouver pour entendre aussi ta parole à toi, nous en avons tellement besoin. Alors que nous voyons que les rideaux commencent à pouvoir tomber, Seigneur oh Dieu, à l'ouest, comme dit le soleil, se couche. Il est plus tard, mais aide-nous encore aujourd'hui encore. Nous avons tellement besoin de toi, nous éclairer, Père Tout-Puissant Dieu, afin que nous puissions avancer avec toi. Sois béni et glorifié, car je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est vraiment merveilleux pour nous, de pouvoir réaliser que le Seigneur pense vraiment à nous. Et alors nous nous posons toujours la question, mais à nous, qui sommes-nous effectivement aussi? Ça, c'est toujours important cela. Et quand on est dans le « nous » là, alors nous ne pouvons que chanter les chants de Sion pour lui toute notre vie. Mais il faut que nous puissions être dans le « nous ». C'est ce qui est écrit aussi dans le chapitre 8 ici, on a lu le 28, mais le verset 1, effectivement. Alors il dit que il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont donc. Ce verset 1, Jésus-Christ notre Seigneur. Et non, si la Bible le dit, effectivement. Ça doit être vraiment la vérité, en fait. Une telle déclaration, effectivement. Vous vous souvenez, frères et sœurs, dans les scènes d'écriture, lorsque cet homme ici connaît un étranger, effectivement, si c'était un Romain, et
étant arrivé effectivement aussi en Israël, comme vous savez comment cela s'est passé, c'était sous l'occupation romaine, effectivement, vous le savez. Et cet homme, il a été touché par ce qu'il a pu voir, ce qu'il a entendu, effectivement, et pour l'adoration de ce peuple, effectivement, il y a un seul Dieu. Par contre, par rapport à eux qui en avaient plusieurs, effectivement, il a trouvé que ce Dieu était vrai. Et il s'y est donné, en fait. Et il priait de tout son cœur. Et voilà que pendant qu'il était dans cette état, effectivement, avec autant de consécration et qui non seulement il priait, mais il donnait ce qu'il avait, effectivement, pour l'œuvre de Dieu, comme la Bible dit, effectivement, aussi. Bah, bon, les lire parce qu'on peut peut-être. Dans Actes chapitre 10, regardez bien, hein, il nous dit cela, juste sur cette partie-là, le premier. Alors qu'il dit, il y avait donc, verset 1, il y avait donc à Césarée, donc, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était Dieu et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement ainsi. Donc, il s'est donné effectivement au Seigneur et il avait un cœur qui était donc touché. Et voilà que donc il priait effectivement qu'un ange qui lui apparaît, qui dit que tes prières et tous au monde sont donc Dieu donc a eu à pouvoir voir effectivement le cœur de cet homme. C'est ainsi qu'il a demandé de pouvoir faire venir donc Pierre donc qui était logé là à l'endroit comme vous le savez. Et lorsque Pierre est venu effectivement, il lui a fait comprendre ce que le Seigneur lui a montré parce que le Seigneur devait instruire chaque serviteur de Dieu, il doit être instruit par Dieu en fait ici. Oui c'est vrai parce que sinon il vient toujours avec sa vision, ses choses effectivement. Il y a toujours un nettoyage que Dieu doit faire dans tous. Oui, c'est sûr et certain. S'il ne le fait pas, ben, on va commencer à donner les choses qui ne sont pas conformes. Parce qu'on a toujours des visions à soi, des pensées à soi, comme il en avait aussi, effectivement, aussi. Il était donc avec ses traditions, mais le Seigneur lui dit, moi, ce que moi j'ai considéré comme étant pur, toi ne le considères pas comme impur. Donc c'est assez, c'est cela. C'est aussi que ça l'a permis de pouvoir rentrer donc, dans la maison de Corneille, qui était donc interdit. Donc il a commencé à voir par le roi, qui est très bien qu'il lui a dit, mais dis-nous, maintenant, dis-nous ce que Dieu t'a mis à cœur de pouvoir nous le dire, effectivement. Il a commencé à pouvoir parler, et c'est quand il est arrivé, pour le lire avec vous aussi, hein, donc c'est tout. Alors, c'est toujours à Acte 10, effectivement, hein, verset 40, il dit. D'abord, verset 39, nous sommes donc témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Voilà, c'est bien dit, hein. Dieu l'a ressuscité donc le troisième jour. Il a permis qu'il apparût donc non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut donc ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des hommes. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Et ça, c'est la chose qui a eu à pouvoir délivrer le peuple. Tous ceux qui ont entendu cela parce qu'ils savaient que l'homme est un pécheur, même dans la divinité, effectivement, il devait faire beaucoup de choses. Et bien qu'il le faisait quand même, il n'était pas toujours délivré de son péché. Mais là, ils entendent qu'effectivement, que c'est Jésus est venu, il a prêché, et il est mort, il est même ressuscité, il est même apparu, effectivement, ils nous sommes témoins. Et tous les prophètes rendent de lui les témoignages, et quiconque croit en lui, reçoit par son nom, effectivement, le pardon des péchés. Mais quelle délivrance! C'est-à-dire que tout le poids que j'ai eu à pouvoir avoir dans toute ma vie depuis ma jeunesse, effectivement, toutes les divinités que je serai à gauche, à droite, pour me délivrer de cela. Mais ils n'ont pas pu enlever cela. Mais j'entends que c'est Jésus. Que si simplement, je n'ai même pas à offrir quelque chose, même pas à payer quelque chose, mais simplement croire en lui. Le fait de dire, je crois en toi, je reçois le pardon de mes péchés. Alléluia! Ça, mon frère, c'était la délivrance, c'était la bombe, effectivement. Et ces hommes ont été tellement touchés. Si Jésus est capable de cela, alors je le reçois. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu. Donc, la Bible nous dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ,
notre Seigneur. Alors ça doit nous faire bondir en fait. Comme la Bible le dit, comme un veau dans une table, effectivement. Ça doit te faire bondir, ma soeur. Ça doit te faire bondir, jeune homme, jeune fille. Parce que c'est le péché qui te maintient dans cette condition-là. Mais si maintenant on me dit que, il y a quelque part où ce péché, s'ils ne peuvent plus avoir d'effet sur moi, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que moi je dois faire? Parce que ce qui m'handicape dans ma vie de tous les jours, c'est le péché. Mais on me dit qu'il n'y a plus de condamnation. Donc si j'ai ça, alléluia, je ne suis plus condamné, monsieur. Alors dans quel tribunal on pourra me condamner, monsieur? Puisque la justification a été accordée. Un homme qui a été justifié et rendu libre, on ne peut plus l'arrêter, monsieur. Mais si toi, tu meurs aujourd'hui, dans ces conditions dans lesquelles tu es, peu importe ce que tu mets, mais tu meurs comme cela, tu vas tomber directement à la barre des jugements. Et tu sais qu'à la barre des jugements, il y a toujours condamné. Et vous vous souvenez, nous en avons touché un mot, il y a un bon bout de temps, cela aussi, avec Daniel Curry. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel Curry? Eh bien, Daniel Curry a eu à pouvoir être aussi comme un croyant sur la terre, mais puis il est arrivé un moment où il s'est trouvé qu'il était parti. C'est lui-même qui raconte cela. Et pendant qu'il était parti de l'autre côté, effectivement, donc la mort l'a frappé. Et d'après ce qu'il a dit, et voilà qu'il se trouve là, il voit un endroit, il s'est trouvé, il y a un ange qui est là avec un livre. Et alors, il y avait des gens aussi qui étaient morts, tous ceux qui étaient nés là, effectivement, donc là-dedans. Alors il entend simplement, on appelle tel entre. Et puis tout le monde est entré. Grande surprise, son nom n'est pas cité. Et voilà que il pose la question à l'ange, mais. Mais moi, mon nom n'est pas cité. Il dit non, il dit, mais ici sur la liste, il n'y a pas de nom. Donc moi, je ne peux que faire entrer ce dont je suis qu'au service de celui qui m'a commandé. Donc je ne peux faire que ce dont le nom soit inscrit ici. Alors si tu veux plaider, va là au trône, effectivement. Donc tu vas plaider ta cause. Alors il dit que pendant qu'il tournait, donc pour pouvoir partir, pour aller vers ce trône-là, il voit que plus il avançait, la lumière était tellement si forte. Et la voix est sortie de cette lumière, lui posant la question. Daniel Curie. Écoutez bien, ça m'a toujours touché cela. Parce qu'il avait dit, moi je suis Daniel Curie, j'étais sur la terre, effectivement, j'ai cru, ceci, cela, j'ai fait beaucoup, il a eu de pouvoir faire ce témoignage devant l'ange, il a dit, non, je ne connais rien, il faut aller là-bas. Et puis quand il est arrivé, il a dit, Daniel Curie, écoutez bien la question, depuis que tu es né, pas que depuis que tu as cru, depuis que tu es né, n'as-tu jamais volé? Qui parmi nous ici, Seigneur Jésus, mon frère et ma soeur, ne jouons pas avec la grâce divine. Ce livre ici que vous voyez, ce sera le livre de votre jugement. Vous vous asseyez, vous voyez quelqu'un ici devant, vous dites, c'est gigote, et ceci et cela, vous prenez, je vous dis la vérité, frère et soeur, ce livre ici que vous voyez ici, c'est par ce livre que Dieu va juger le monde. Mais si Dieu vous accorde la grâce à nous tous, d'avoir un endroit où nous pouvons nous asseoir sur la terre, que les hommes puissent effectivement, par cet endroit, Dieu nous juge déjà, sur la terre. Afin de nous justifier déjà sur la terre. Mon frère et ma soeur, toi que j'appelle frère et soeur, et que tu arrives à pouvoir mépriser une grâce aussi extraordinaire que sur la terre, il te donne la grâce de pouvoir d'abord te montrer tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir voir sa face. Qui peut t'empêcher de pouvoir entrer dans ces lieux-là.
En fait, voilà, voilà comment tu dois faire. Ici, là, sur la terre. Frère, je ne peux que lui dire merci et m'agenouiller tout le temps pour m'incliner à ses pieds. Oui. Lui dire combien il a été vraiment grandement merveilleux pour moi. La grâce de pouvoir comprendre et saisir cela sur la terre. Et puis qui m'a accordé aussi la grâce d'avoir mes yeux ouverts pour ne pas m'accrocher à des futilités. Tout ce à quoi nous courons sur cette terre, ce n'est pas vraiment des choses qui peuvent arriver à pouvoir bénéficier, que notre âme en bénéficie. Ma maison, qu'est-ce que mon âme va bénéficier de quoi? Les vêtements, même l'argent que j'ai. Mon âme bénéficiera de quoi ça? Est-ce que je peux racheter même mon âme avec l'argent pour lequel on court aujourd'hui? Avec tous ces biens, je vais m'avoir 180 maisons, 150 ou 200 000, je ne sais pas moi quoi, ou 1 million de voitures, j'en sais rien. Ça peut racheter ton âme? Non. J'aime des hommes que Dieu a eu à pouvoir utiliser, donner la sagesse comme Salomon. Il a dit, j'ai goûté à tout. Les vêtements, tout ce qu'on peut goûter, je les ai goûtés. Oui, monsieur. Il dit, mais j'ai dit, alléluia, il dit, mais vanité de vanité, tout est... La meilleure des choses, crains Dieu et observe sa parole. C'est là ce que doit tout homme. Vous connaissez, non? Donc, si un homme que Dieu a eu à pouvoir élever comme ça, en plus un roi que toute la terre, tout le monde craignait, respectait à cause de ce que Dieu a fait de lui, il dit, j'ai goûté à tout. Et j'ai trouvé que tout cela est vanité. C'est une grâce, parce que nous avons cette grâce. Vous me suivez, ma soeur? Vous me suivez, mon frère? Parce que faut pas que votre cœur, ça, pourquoi ça m'arrive et je n'ai que des problèmes. Non. Vous avez entendu, non? Nous savons, toi tu dois savoir. Moi, et puis c'est une grâce que Dieu t'a fait savoir que tu dois savoir. Que toutes choses concourent pour... Ah, ah. Oui, c'est toujours Dieu, toujours vrai. Que Dieu te bénisse. Là. Donc pour toi là, parce que toi tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu, à moins que tu sois un fils de malin. Parce que si tu es un enfant de malin, alors là, c'est autre chose. Parce que la Bible précise bien, mais toutes nous savons du reste. Qui c'est là? Le nous là, nous allons le voir. Hein. Nous savons du reste que toutes choses qu'on comprend, eh bien de ceux, ils ne savent pas arrêter là, hein, de ceux qui aiment. Ah, ah. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ça notre problème. Oui, oui, oui. C'est ça notre problème. Oui, 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 mon frère. C'est ça notre problème. Il dit que toute chose qu'on coupe. Bien. Alors là-bas, on termine avec Daniel Curie, puis nous revenons là rapidement aussi. Pour les temps, on ne va pas bien les regarder aujourd'hui. Et puis, il lui pose la question, depuis que tu es né, ah, n'as-tu jamais menti? Qui parmi nous peut dire qu'il n'a jamais fait? Toutes les questions qu'on posait à Daniel Curie, c'est comme si on le posait aussi. Il s'est retrouvé dedans. Il dit, je me souviens, lui-même, il disait, quand il disait cela, quand il posait la question, le tableau est là. Voyez, toi et moi, tout ce qu'on fait dans les secrets. Même si personne n'est là pour nous voir. C'est pourquoi j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne. Tous les jours, je demande pardon, Seigneur. Parce que ce qui est merveilleux avec Dieu, il nous dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, parce qu'il va juger même les secrets de vos... Alors, si je sais que Dieu va juger, même les secrets de mon cœur, effectivement, quelle crainte je devrais avoir. Vous direz, ah, déjà, regardez très bien pour que nous puissions comprendre. Et quand Anania et Saphira sont venus devant Pierre et les apôtres, effectivement, les prédents pour des gens qui sont, que c'était des hommes, effectivement. Et Pierre qui lui dit, mais pourquoi est-ce que Satan a-t-il mis un tel dessein dans ton cœur et tu l'as accepté en plus? Mais Pierre n'était pas là.
quand ils étaient dans leur chambre couchée peut-être, en train de pouvoir manigancer toutes ces choses-là, effectivement, Pierre n'était pas là. Et qui était là? C'était Dieu. Il voit les secrets de ton cœur, il voit toutes ces conversations, il voit toutes ces doublures que tu fais là, tout ceci. Tout ça, mon frère, ben nous avons la grâce que Dieu nous fait comprendre. Amen. Et ça ne sert à rien d'être hypocrite. Amen. Ça ne sert à rien aussi d'être faux. Psaume 139. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Vous êtes fatigué? Vous aimez bien la parole, non? Moi aussi. J'aime bien. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Donc alors, c'est écrit. Ça veut dire que c'est la vérité. Partout où tu vas. En tant que chrétien, comment Dieu te dit d'abord? Il dit, toi, tu dois savoir. Les païens, lui, votre attention. Les païens, lui, il peut ignorer, penser que personne ne le voit. Mais toi-même, quand tu vas dans la petite boutique où tu veux, tu vois la peine, petite chose là. Mais je te vois. Sache que tu n'as pas besoin de mettre même l'aluminium. Puisque. Ah oui, vous savez? Ah oui, je ne vais pas dire ça. Pour faire, parce que bon. Ah oui, vous savez comment on fait, les gens. Il dit, mais parce que. Quand tu le prends, même d'abord, quand même tu n'as pas encore pris. Lorsque la pensée qui te vient déjà, que je vais voler ça, sans même mettre ta main, je le sais déjà. Donc alors que la pensée ne passe même pas par ton esprit. C'est quand même une grâce, non? Que c'est Dieu te montre tout pour que toi tu puisses savoir comment lui plaire. Ok, il connaît nos pensées. C'est pour ça que il nous donne un conseil, reste frère, que tout ce qui est vrai, soyons vrais les uns envers les autres. Que Dieu te bénisse, ma soeur Patricia. J'espère qu'il est là aujourd'hui, ce soir, où il est absent, mais si elle n'est pas là, même s'il écoute, elle est loin. Ah, quel bonheur de savoir, je ne savais pas que tu étais là. Dieu te bénisse. Vous savez, nous sommes appelés à pouvoir nous aimer vraiment ardemment. Quand tu as, comment dirais-je, une possibilité d'aider ton frère, ne sois pas que si j'aide parce qu'il va être comme moi, mon frère et ma soeur. Il y a toujours des mauvaises pensées. Chacun, il veut toujours dire, moi je vais être pour. Pourquoi tu voudrais qu'on te voit plus que les autres? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur à cet tata-là? Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand on est quelque part, je ne sais rien, c'est un poste de travail, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que tu vois ton frère, ta soeur, on va dire non, si je l'engage dans mon entreprise, ou si je fais tout, il travaille ici, il va aussi être bien, et moi, parce qu'il faut qu'on voit que c'est comme ça que ce sont les païens. Mais toi, pas comme ça. On te donne un poste de travail, tu cherches tes frères. Frère, j'ai la possibilité de pouvoir quand même trouver le travail pour vous. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu te positionne quelque part, c'est pour quand même que tu aides ton frère et ta soeur afin que tous ceux qui sont à toi d'âme soient heureux. Quand chacun est heureux, alors tu es heureux. Si Dieu t'a utilisé pour le bonheur de l'un, c'est parce qu'il y a une récompense pour toi aussi. Pour cela. C'est pour ça que je dis que nous puissions enlever de notre cœur tout ce cœur qui est mauvais là. De ne pas vouloir le bonheur de l'autre. De ne pas donner des tuyaux. Vous savez comment dire? Non. Les vrais tuyaux là. Quand tu as les tuyaux, tu tournes seulement vers toi. Et vers ceux qui sont dans ta famille. Non, tu ôtes tout le monde. Donc, frère, tu n'as pas, ça tu as. Bon, moi, je sais comment pouvoir faire. Je sais, tu as des difficultés pour trouver un moyen pour. Parce que, regardez très bien. Quand ils ont un endroit pour eux, tous leurs frères. Mais quand les frères ici de la RDC, ils trouvent un endroit, ils bloquent. Moi, je ne comprends pas, mon frère, c'est pas possible. Même
ceux qui s'y disent, c'est sûr, ils ont cru. Ils sont comme ça aussi. Il faut une délivrance profonde. On déracine encore. Parce que quand vous voyez comment ils ont eu à pouvoir avoir beaucoup de postes à cause, et quand ils voient, ils bloquent un peu, ils disent, mais tourne notre frère, viens. Mais vous, non. Quand c'est votre frère, même s'il faut trouver, moi, il faut l'aider pour qu'il puisse trouver une maison. Ils ont eu à pouvoir avoir beaucoup ici, parce que ces autres, tu sais comment, tel endroit, on donne, venez, on va faire, on va même vous aider. Mais vous, vous savez, vous ne même pas, quand vous voyez votre frère, vous dites, il pleure, comment je vais faire pour acheter, comment je vais faire, dis, mais tu as un tir, tu es télé. Mais c'est vrai, frère. Mais c'est vrai, si Dieu a ouvert une voie pour toi, il faut que tous ceux qui sont dits, mais fais-les rentrer quand même. Que le cœur, que nos cœurs soient vraiment, oui, j'ai dit, je n'aurai pas le temps. Que nos cœurs soient vraiment ouverts, frères et sœurs, que nous puissions vraiment nous entraider les uns et les autres. Ah. Je ne sais pas, mais il faut une grande délivrance. Pour que Dieu nous aide. On dit, oui, nous sommes frères, mais l'égoïsme est toujours là. On ferme un peu, on ne veut pas. Mais frère, ouvrez. Tu as trouvé, eh bien, donnez la possibilité. Frère, j'ai vu que tu souffres beaucoup, tu es toujours chômeur. Moi, je sais comment pouvoir faire, comment je vais pouvoir faire. Que Dieu te bénisse pour ça. On peut faire des documents, mais normalement. Hein. Et puis, on rentre là, et on fait ceci, et tu vas trouver un travail. Et quand toi, tu as trouvé un travail, eh bien, tu as trouvé un travail, tu dois aussi aider aussi l'autre. Ah, c'est normal, mon frère. Et toi, tu es content, tu dis, bon, j'ai une maison, et puis tu es là, tu sais, ta soeur ou ton frère, il souffre là-bas, il ne sait pas comment, et tu dis, alléluia, amen, amen. Il y a un problème. Donc c'est important, nous tous devons comprendre cela. Ça nous concerne tous. Donc on doit aussi s'entraîner. Vous dites, ah frère, est-ce que c'est biblique? Mais c'est biblique, frère. Acte 2, toujours, vous connaissez, non? On a toujours le souci de son frère, le souci de sa soeur, son bien-être. Et quand il a un problème, ça devient ton problème. Bien sûr que oui. C'est comme ça qu'on nous dit qu'ils étaient un cœur. Non, nous revenons dans ce nom. Alors on lui posa la question. Daniel Curie, vous me suivez? Oui. J'ai dit que je ne veux pas regarder l'heure aujourd'hui. C'est pas bon de se retrouver aussi ensemble. Bon, vous m'avez manqué. Est-ce que moi je vous ai manqué? Si nous nous sommes manqués tous, alors prenons un peu de temps pour la parole. C'est bon pour nous. Dieu soit béni. Alors, quand tu lui as posé la question, et il voyait qu'effectivement, que tout ce qu'il faisait, effectivement, dans son conscience, dans son cœur, tout ce qu'il pensait, effectivement, il avait ça sur le tableau, effectivement. C'est comme si Dieu ne voyait pas, mais Dieu voyait. Donc, tout était là. En plus de cela, il disait, même le jour et l'heure. Oui, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que quand il s'est tenu debout là, mais Dieu a une. Il est tellement tout puissant. Hein. Vous vous rendez compte que tout ce que tu as fait, que tu as déjà oublié dans la mémoire, et puis quand il te met devant la barre du jugement, parce qu'il doit être juste, non? Et puis ça te revient comme si tu l'avais fait aujourd'hui même. Les jours et l'heure, tu le vois, tu dis, hey, c'est moi. Pas quelqu'un d'autre. Parce que souvent on dit, oh, c'est à cause de frère, c'est à cause de la soeur, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon mari. Non, tu étais là tout seul. C'est toi-même qui as eu à pouvoir faire. Et puis il dit, mais pour tout cela, tu es donc condamné. Ça, c'est la sentence de Dieu, en fait. Ah. Alors, il dit qu'après avoir entendu, c'est comme si tout allait exploser. Et puis il entend une voix qui vient, mais tellement si douce. Daniel Curie a pris position pour moi sur. Moi aussi, je prends position pour lui aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait, que ce soit sur mon compte. Est-ce que papa était là? Maman était là? Enfant était là? Grand-père était là? Femme était là? Mari était là? Tout seul. C'est pour ça, ma soeur et mon frère, c'est important de pouvoir être focalisé sur ton salut à toi. D'abord, toi, que tu sois sûr que tu es vraiment sauvé, pour maintenant aider les autres. Parce que, vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, quand je donnerai même ma vie et mon corps pour être brûlé pour le bien des autres, effectivement, cela ne me sert absolument. Donc, il faut
faut d'abord que toi-même, tu aies effectivement la chose. Alors à ce moment-là, tu pourras être utile pour les autres. Donc, nous voyons qu'effectivement, comme l'Écriture le fait savoir, que il n'y a plus maintenant, suivez très bien, aucune condamnation pour ceux qui sont donc en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous remarquerez très bien, frères et sœurs, comment Dieu est tellement précis et clair. Il nous dit, plus bas de cela dans l'Écriture, effectivement, toujours dans Romains au chapitre, il dit, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, moi, je me pose la question pour savoir comment est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit de Christ. Vous savez comment on peut le recevoir, non? Vous me suivez? On dit bien que Romains 8, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc il ne lui appartient pas. Vous avez remarqué très bien que le jour de la Pentecôte, effectivement, il a dit, repentez-vous, vous me suivez, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Maintenant, regardez ce qui suit. Il dit, et vous recevrez les dons. Donc, quand tu as reçu vraiment le pardon, c'est-à-dire que tu es donc justifié devant Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, si je suis justifié devant Dieu, qu'est-ce qui empêcherait que Dieu vienne habiter dans la personne qu'il a déjà justifiée? Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation. Cet homme ici, il dit, mais parce que Dieu doit habiter. On nous dit que vous êtes le temple du Dieu vivant. Et si le temple est conforme à ce que Dieu a voulu effectivement, qu'est-ce qui lui empêcherait qu'il vienne habiter dans son temple? Suivez-moi s'il vous plaît pour l'amour du Seigneur. Vos regards ici, je vous en supplie. Parce que si demain vous mourrez, il faut être sûr et certain que vous verrez sa face. Nous éduquons, nous élevons nos enfants selon la parole de Dieu. Il faut aussi qu'on les amène effectivement au point principal. Nécessaire. C'est comme ça que nous n'aurons plus de problèmes dans nos maisons parce que nos enfants seront obéissants. Vous savez, le Seigneur a dit que vous recevrez les consolateurs dont le Saint-Esprit. Et quand il vient, il fera quoi? Il vous condamne des obéissances? Non. Dans toute la... Ta parole est... C'est pour ça qu'on dit, oh non, ton père et ta mère. On ne va pas même pas forcer l'enfant lui-même. Parce que la chose est dans l'enfant. Tu diras, mais non, je ne vais pas te voir avec ce soir, ça sur toi. L'enfant ne va pas discuter. Non. Parce que cet enfant-là connaît la parole de Dieu. Et l'Esprit est dans la personne. C'est pour ça qu'on doit conduire nos enfants là. C'est bien de donner à manger, c'est bien de les habiller, effectivement, mon frère. Mais tu vas les perdre. Pourquoi est-ce qu'ils vont à la maison? Parce que bien qu'ils viennent à l'assemblée, mais il y a la solidité quelque part. Parce qu'ils s'arrêtent quelque part. Et on doit les aider à aller plus loin. Bien sûr, mon frère. Bien sûr, ma soeur. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est lui. C'est là que nous comprenons effectivement le nom, l'importance de cela. Alors, remarquez très bien, c'est au chapitre 8 en question, et nous disons, c'est Romains, au chapitre 8, hein, nous étions parce que je suis là, voilà. Il nous dit ceci. À partir du verset 7, il dit, 8, 7, il dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, Romains 1,
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient donc plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. E majuscule. Hein. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en... Vous entendez bien, non? Habite en vous. Alors vous vous souvenez quand même qu'il y a la justification, la sanctification, n'est-ce pas? Et puis quand est-ce que Dieu descend en vous, dans le baptême Dieu, c'est clair. Il dit maintenant, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient même pas. Ah, ça doit quand même nous réveiller. C'est pour ça que je crois qu'il est quand même nécessaire, si Dieu permet, que je puisse quand même avoir un temps avec les jeunes filles et jeunes sœurs. Avoir quand même une réunion avec eux. Se retrouver avec cela, avec vos enfants. Tous ceux qui fréquentent ici, même ceux qui sont à l'extérieur, qui voudraient bien, mais je voudrais bien quand même avoir le temps avec eux. Prendre le temps de pouvoir prier et qu'on cherche la face de Dieu. C'est nécessaire. Parce que le monde est en train de pouvoir chercher à détruire même l'ordre, les choses véritablement ordonnées, naturelles de l'homme dans nos vies, dans nos enfants. Parce que c'est à l'école qui passe. Si vous saviez maintenant comment on a pollué nos enfants, on les a souillés, ils sont assis là comme des innocents, mais ils ont vu des choses qu'il ne faut même pas voir. Vous pensez que non, ils ne connaissent rien, ils vous regardent faire semblant comme ils sont innocents. Non! On les a amenés au point où toi tu vas pleurer et dire, mais mon enfant, on l'a fait voir ça. Oui, tout ça c'est pour souiller l'enfant. Et ils ne se rendent pas compte. Oh non, c'est l'évolution, c'est quelle évolution, mais c'est une déchéance totale, oui. Et messieurs, et ils sont là comme innocents, mais ils ont déjà vu des choses que vous ne voulez même pas qu'ils voient. Oui, il faut un nettoyage. C'est une délivrance. Soit purifié, sanctifié, effectivement. Si quelqu'un, verset 9 plus bas, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ne dites pas, oh frère, moi, non. Écoutez d'abord, c'est très important parce que tu vas découvrir si vraiment il est en toi. C'est nécessaire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc Seigneur, ça veut dire qu'il ne lui appartient pas. Donc si moi je n'appartiens pas au Seigneur Jésus, donc j'appartiens vraiment à qui? Ce soit à Dieu, ce soit à Satan. Il n'y a pas de middle. C'est ça, même le Seigneur l'a dit, hein. Soit tu es froid ou tu es bouillant. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est ça, mon frère et ma soeur, vous qui m'écoutez, même de loin comme de près, étant aussi ici même que vous m'entendez avec vos Bibles en main. Oui. C'est assez clair, hein? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Puis continue, il dit, et si Christ est en vous, oui. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en... Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à quoi? À la chair. Pour vivre selon... Et pourquoi vous vivez selon la chair alors? Pourquoi il y a tellement de problèmes et de ceci et de cela, des combats? Moi j'ai tout ceci. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est toujours la chair. Donc, quand tu te rebelles, ah non, moi je ne vais pas, mais c'est moi qui dois avoir ce qui fait qu'on va... Tout ça, en fait, c'est toujours les œuvres de la chair. Dans les livres de Galates, vous connaissez ça. Jalousie, les ceci et les cela, les disciples. Vous connaissez quand même. Hein?
relation. Alors si toutes ces choses-là sont en vous, comment pouvez-vous me dire que vous avez l'Esprit de Christ en vous? Parce que Christ ne peut pas habiter avec ça. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous ennuie pas. Hein? Non. Oh. Vaut mieux que vous entendez ici pour échapper à ce qui se passera là-bas. Donc si, toutes ces choses-là, voilà pourquoi que nous entendons que, parce que si le Saint-Esprit est en nous, dans chacun de nous, et qu'il est dans nos enfants, mon frère et ma soeur, il n'y aura pas de problème. Si le Saint-Esprit est en nous, donc en moi, en toi, en ton mari et en ta femme, quel problème vous aurez? Quel problème vous aurez? Parce que le Saint-Esprit va te conduire, toi, à être à ta place. Tu ne vas même pas discuter quand on dit que la femme soit soumise. Jamais discuter parce qu'il est là pour te conduire, toi. Et quand on parle de mari aussi, jamais, toujours il est là. Mais c'est parce que nous sommes encore dans la chair. Et alors vous dites, ah, Seigneur, je suis encore humain. Mais enfin, vous savez que tout en restant comme ça humain, tu meurs humain, tu ne pourras pas voir Dieu. Il ne faut pas te donner ces raisons. Je dis, viens, Seigneur, je suis toujours, on est des hommes. Mais oui, mais... Mais Dieu veut des fils et des filles. C'est ça que tu dois viser. Pas toujours, je suis un homme, je suis des femmes. Bien sûr, il sait, mais il dit, mais il a fait de toi plus. Que Dieu te bénisse. Tu as dépassé ces stades-là. Et puis, il te dit que tu es un Dieu. Mais il ne comprend pas. Prends ta place. Si Dieu t'a donné quelque chose, ah, toi, bien sûr, parce que je toujours dis, sœur, vous êtes dedans. C'est pas moi, la Bible l'a dit. Amen. Donc il dit, mais qui domine. Donc il n'y a aucune chose qui doit dominer sur toi. Amen. C'est à toi de dominer. Amen. Amen. Le diable, c'est un usurpateur. Mais vraiment un fin menteur. C'est vrai. Il nous embrouille avec des problèmes de dire ton frère, ta soeur n'aimait. Alors que mon frère, vraiment, si toi tu l'avais pas embrouillé, toi Satan, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Bien sûr que oui. Il faut voir les choses, il faut décortiquer la chose. Il est toujours responsable en tout. Bien sûr. Parfait. Terminons parce qu'il est encore tard. Voilà. Ainsi donc, verset 12, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez faire quoi? Voilà. Et toi, tu veux vraiment mourir, ça? Aussi mourir, mon frère. C'est pour ça qu'il faut que tu te regardes, toi. Qu'est-ce qui se manifeste en moi? Ce sont les œuvres de la chair. Ne te trompe pas toi-même. Ne te trouve pas des fleurs pour te mettre au-dessus de toi, mais ne fais pas cela. Sois dur envers toi-même. C'est nécessaire que tu puisses arriver à te positionner comme un foi, un caractère, en fait, dans les choses qui concernent Dieu en réalité. Nous allons terminer pour en lire cela. Dis donc, que. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, donc le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous faites quoi? Vous ferez quoi? Vous vivrez. Donc voilà notre combat. Donc, tous ceux qui me poussent à pouvoir faire ceci, faire cela, et qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, parce que là, pour quelle raison nous disons cela? Parce que. Si l'esprit qui habite en nous n'a pas des envies, en fait, hein? vous souvenez Galates, hein? Au chapitre 6, je pense que c'est cela. Continuons. Oh, je pense que tu te liras rapidement, peut-être pour que nous puissions avoir cela, prendre bien ce cas. Ah, si c'est pas fait, tu me coûtes. Voilà, c'est cela, oui. Galates chapitre 5, verset 16. Il dit donc,
Je dis donc, marchez donc selon l'Esprit, donc selon le Saint-Esprit. Hein? Et vous n'accomplirez pas les désirs. C'est clair. Quand je suis de ce côté-là, alors c'est sûr et certain que je ne mords personne. Oui, parce que quand je dis je ne mords personne, il est écrit ici, hein, verset 15, mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres. Prenez donc garde, c'est verset 15. Prenez donc garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux. Et l'esprit en a des contraires à ceux. Et ils sont comment opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc ça dépend, c'est lui qui a eu à pouvoir avoir les déçus. Si c'est la chair, alors vous allez vivre selon la chair. Vous savez comment est la chair, les plaintes tout le temps. Et toujours, ah moi je suis pauvre, et c'est toujours moi. C'est comme ça que la chair. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains au chapitre 8, nous retournons, il dit, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lesquels nous crions, Abba, donc Dieu est notre Père. L'esprit donc, Dieu rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment enfants. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois, vous avez vu le nom là. Vous avez entendu, non? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et puis 18, il dit, mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour. Voilà, c'est pour ça que nous pouvons lire maintenant au verset 28, comme la Bible nous le fait savoir, toujours dans Romains, que nous avons lu, effectivement, je tournais les pages, effectivement, Romains au chapitre 8, il dit, nous savons donc, du reste, ce qu'il est nous-là. Parce qu'il est dans celui qui est dans ce nous-là. Il ne va pas se plaindre, monsieur. Non, monsieur. Ah oui, il n'est pas comme les autres parce qu'il ne vit pas selon la chair. Parce que dans la chair, on murmure, effectivement, il y a toujours des problèmes. De ceci, de cela, on m'a dit, on m'a fait, et que t'es dit, et que t'es dit. C'est ça la chair, en fait. Et quand on vit selon l'esprit, et qu'on a reçu le Saint-Esprit, les problèmes sont réglés. Alors maintenant, on nous dit, mais nous savons, parce qu'on ne peut pas nous tromper. Oh Dieu ne t'aime pas parce qu'il t'arrive. Moi je suis resté, j'aime toujours mon Jésus. Je chante toujours lui, mon cœur est attaché à lui. J'aime sa parole. Si ses problèmes arrivent, c'est pour sa gloire. Alléluia. Oui monsieur. Donc, plus de plaintes et de murmures. Parce que je connais mon Dieu. Il ne peut pas m'abandonner. Il m'a dit, je t'abandonnerai point. Il ne peut pas faillir à sa parole. Avec lui, je sais où je me tiens. Je passe par ses problèmes, mais c'est pour sa gloire. Il veut que notre femme, il veut m'instruire. Oui, madame. Le nous, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que pour considérer que toute chose concourt pour ton bien, ah non, il faut être un fils de Dieu. Parce que tu es né de Dieu, tu ne peux pas le renier. Dans ton épreuve, jamais parce que Satan dit, mais s'il a cette épreuve ici, il va t'abandonner. Il s'est trompé de Job, qui se trompe aussi de toi. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame.
Il y a encore des jobs ici. Gloire à Jésus. C'est nécessaire. Parce que regardez comment il te fait comprendre toi. Parce qu'il dit, mais en fait que tu sois sûr que si moi j'étais appelé, je ne t'abandonnerai pas. Tu es appelé pour un dessein, oui, sur la terre. Tu as un témoignage à rendre, mon frère et ma soeur. Amen. Tu es né pour cela. Amen. Pour que Dieu soit glorifié et que la parole de Dieu puisse se manifester en toi. C'est à toi que Dieu canime. Mais c'est lui qui vainca. Mais il te voit à toi. Amen. Donc les problèmes ne peuvent pas submerger toi, non. Ça viendra, mais tu sortiras toujours. Amen. Parce que tu es appelé à vaincre. Amen. Oui, monsieur. Amen. Pour cela, il faut avoir la foi. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire vraiment merci de tout notre corps. T'exalter et te glorifier encore davantage, mon roi. Nous sommes appelés à pouvoir vivre pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à te louer dans toutes circonstances, mon Sauveur. C'est vrai que humainement parlant, les choses ne sont pas faciles. Mais nous savons, comme tenant ta parole, ta bien-aimé Père Saint-Dieu, que pour nous que tu amènes à pouvoir croire à ta parole, à t'aimer davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à voir te glorifier dans notre vie, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Oh, nous n'avons plus rien à voir avec le monde. C'est pour ça que le monde nous combat. C'est pour ça qu'il nous poursuit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi que le diable est déchaîné. Mais nous ne va pas se décourager, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, toi dis, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Bénis ton peuple, bénis mes Seigneur, mon Dieu. Que ton peuple puisse réaliser que tu n'as jamais changé, mon roi. Tu n'as jamais failli, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu as toujours dit, mais fortifie-toi et prends courage. Parce que j'ai vaincu. Tu as vaincu, mon roi. Ta victoire, elle est certaine. Certaine pour mon frère. Certaine pour ma soeur. Pour chacun de mes bénémoines, Père Tout-Puissant. Et nous traversons, bénémoine, Père Saint-Dieu. Sois béni encore ce soir. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Donne encore à mon frère, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir du courage, de persévérer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de voir continuer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que l'épreuve ne puisse pas l'abattre, mon roi, mais au contraire, il puisse élever sa tête vers toi, parce que tu as été toujours son Dieu, mon roi. Jamais tu n'as abandonné ce qui est à toi. Alléluia! Tu es toujours ce Jésus que nous aimons, que nous servons, que nous servirons, Seigneur. Parce que tu es toujours, oh Père Tout-Puissant, c'est lui qui nous a choisis et que nous t'avouons, nous t'aimons aussi, mon Sauveur. Et te servirons, comme nous disons, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, mon Père. Oh mon Dieu d'amour, tu es Dieu, Père Saint-Dieu. Tu es notre roi. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Là où il est, Père Saint-Dieu, souviens-toi de mon frère qui traverse moi, ma sœur aussi, bien-aimé Père Tout-Puissant Dieu. Oh, que notre foi soit vraiment ancrée en toi. Tu n'as jamais failli, mon bien-aimé Père Tout-Puissant Dieu. Jamais manqué à tes promesses. Nous sommes à toi et fortifiés par toi, Père. Merci. Merci, Sauveur. Nous avons confiance en toi. Nous te remercions. Merci pour tout ce soir. Merci encore. Fais vivre chacun. Nous revenons, Père. Oh, merci. Merci, Sauveur. Merci, Père. Merci, Sauveur. Louange et honneur à toi pour ta puissance. Pour ta délivrance, mon roi. Merci, Père. Merci, Sauveur. Tu es roi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci, Sauveur. Merci parce que tu vis, Père Saint-Dieu. Rien ne pourra nous nuire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes à toi, bien-aimé Père Tout-Puissant. Peu nous importe, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ce qui peut s'élever, mon roi. Parce que nous t'avons toi comme l'aigle, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Même la tempête, quand c'est l'aigle, bénémoine Père Saint-Dieu, l'aigle est transporté par la tempête, mon roi. Il va au-dessus, ça l'aide. Aller plus loin que l'avantage, mon bénémoine Père. Louange à Jésus-Christ, mon roi. Merci, Sauveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Béni soit ton nom, toi qui es
l'étoile brillante du matin soir. Les donateurs de tout don est excellent, mon sauveur. Merci. Oh, Dieu du ciel, je t'aime, mon Jésus. Sois béni et fortifie ma soeur, fortifie mon frère. Oh, Dieu du ciel, tu es celui qui a fait sortir Pierre quand la mer voulait le submerger, Seigneur. Relève aussi mon frère. Là où il est, Père Saint-Dieu, soutiens-le, je t'en supplie. À cause de ton Saint-Nom, mon Père. Tu es roi, je te demande grâce, mon roi, fais quelque chose. Tu es Dieu, mon Père. Pour ma sœur aussi, Père Dieu. Pour chacun d'eux, je t'en supplie. Agis, Père. Merci, mon Père. Merci, mon roi. Nous t'aimons. Nous avons la grâce. Tu agiras davantage, mon sauveur. Croyons, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Pardonne encore. Nous revenons à toi, mon Sauveur. Merci. Merci, mon Oh Dieu, je t'aime mon Père. Merci. Oh Jésus. Merci Père. Croyons en toi mon Sauveur. Merci. À toi la gloire. L'honneur. Oui, mon Père Saint, mon Dieu. Et tout ce qui est vrai. Bénis ton peuple, Père. Merci pour ce que tu as fait pour notre frère Jean-Jacques Masta qui part. Merci aussi pour Pasteur Jacques là-bas, l'église aussi, pour ce que tu as fait. Je te remercie pour ton amour et ta bonté à notre endroit. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. Garde ton peuple. Merci. Mes frères et sœurs, partout là où ils se trouvent encore aujourd'hui. Merci. Merci. Relève. Et soutiens, console encore mon roi. Pardonne. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez ces cantiques, non? Même quand l'âme est obscure. Alléluia. Vous le connaissez, non? Alors, je pense que... Docteur, viens, est-ce que tu... Que Dieu vous bénisse. Merci. Je pense que c'est le 135. Je ne